Je suis Boléwa Sabourin, je suis danseur et cofondateur de l'association LOBA, qui veut dire Exprime-toi, où on travaille sur la danse comme outil thérapeutique pour des femmes en situation de fragilité. Je pense qu'il était primordial que cette démarche elle est vraiment la plus juste possible, car en fait, c'est aux survivantes de nous dire de nous donner la direction. Ce qui m'a vraiment touché, c'était le message d'une des survivantes qui disait « Vous voyez, je suis en train de sourire et vous demandez pourquoi je suis en train de sourire. » Et en fait, c'est ce sourire-là qui fait notre humanité et c'est grâce à ce sourire-là que l'on va changer les choses. Notre association a un projet qui s'appelle « Recréation by LOBA ». Ce projet Recréation a pour objectif de travailler en binôme entre danseurs et psychothérapeutes pour justement mettre en place des ateliers qui vont permettre à ces survivantes de pouvoir justement regagner confiance en elles, de se réapproprier leur corps à travers la danse et la psychothérapie, mais aussi du coup se donner à elles une autre image en tant que survivante. Ne pas être considérées comme des victimes, mais véritablement comme des survivantes. Et donc une image positive de ce combat-là. Que en fait, ce combat-là soit une fête. On a aussi un spectacle de danse qui s'appelle L'Arme, qui permet justement de sensibiliser le grand public au viol comme arme de guerre en passant par un spectacle. C'est-à-dire que les gens viennent pour voir un spectacle et en fait ils deviennent des acteurs de cette cause-là. Ils arrivent en spectateurs et ils finissent en acteurs.